Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo concerne les Vierges, ascendant Vierge, planète en Vierge pour ce mois d'octobre 2021. Cette vidéo sera divisée en deux parties, la première partie sur le domaine général, la seconde partie sur le domaine sentimental. Bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation personnelle. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas, excusez-moi, à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Donc sans attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre 2021. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Des mensonges autour de vous. Des illusions même peut-être, mais une très belle protection. On voit que vous êtes prêt à partir, à changer de lieu, à aller voir ailleurs même pour le travail, peut-être travailler même à l'international, pourquoi pas pour certains. On est dans l'échange, on est dans la communication. Vous avez envie de vous sortir de ce marasme où il y a plein de vipères, c'est comme ça que je le ressens, et c'est bien dans le domaine du travail. Je vous sens vouloir changer de travail. D'ailleurs, vous allez pouvoir passer en axe par l'action. Donc, on voit bien des déplacements, on voit bien des entretiens d'embauche pour beaucoup d'entre vous. Et on voit bien la réussite également dessus. Donc, pour moi, vous êtes actuellement dans une situation qui vous fatigue énormément parce qu'effectivement, elle est toxique et qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de changer votre fusil d'épaule et de pouvoir aller, je dirais, à un endroit qui vous sied beaucoup mieux et où vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux. Je continue dans le domaine général. Alors, voyez, ce côté étouffement, ce côté ennemi, hein, de la méchanceté, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être parce qu'il y a vraiment de la forme de jalousie, mais toujours pareil, avec la carte du hasard, je pense que vous allez trouver mieux, hein, et on a bien un poste même mieux rémunéré, ailleurs, hein, voyez, ailleurs, on a bien la carte du changement, donc c'est bien ça, et je vois bien partir même, pourquoi pas, dans un autre département ou une autre région. En tous les cas, on est bien à la fin d'un cycle, il y a bien quelque chose qui se termine, et vous allez bien passer à l'action. Et vous allez avoir de très bonnes nouvelles, donc ça veut dire que vous allez signer un contrat. Donc on sent bien, hein, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit, que actuellement vous êtes dans une position inconfortable. Alors moi je vous dis question travail, mais ça peut être aussi la famille, hein, ça peut être totalement autre chose, hein, chercher ce qui vous appelle, entre guillemets. Mais on sent bien que vous allez prendre les devants, vous allez prendre des décisions, et ça va vous permettre effectivement de changer la situation en partant, du moins en allant là où vous avez envie d'aller. Je termine ce domaine général pour voir un petit peu quelles sont les dernières informations que l'on peut vous donner. Alors, prenez l'autorité de votre vie, c'est vous qui prenez le pouvoir de faire les changements qui s'annoncent, hein, d'aller dans un autre lieu, quelque chose qui vous plaît et qui est plus en adéquation avec vous, où il n'y aura pas de masque et il n'y aura pas d'illusion, il n'y aura pas de personnes malhonnêtes, il n'y aura que des personnes qui aimeront ce qu'ils auront à faire, donc une meilleure ambiance, hein, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment le côté de meilleure ambiance, hein. Et pour cela, on a vraiment un changement d'orientation, peut-être même de lieu, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attrait, et vous allez trouver, puisque ça fait partie de votre destinée. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a bien cet appel à du ailleurs. Alors c'est peut-être quelque chose de complètement différent que vous allez faire actuellement, mais j'ai presque envie de vous dire, si c'était aussi de vous mettre à votre compte, ce serait totalement faisable. Donc n'hésitez pas à aller dans ce sens-là et à aller de l'avant pour pouvoir effectivement avancer. Allez, on continue avec le domaine sentimental cette fois-ci. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information dans le domaine sentimental. Coup de foudre, une jolie rencontre peut-être avec beaucoup de tendresse, waouh, avec des promesses, peut-être même un regain, alors peut-être le retour d'une personne du passé, en tout cas quelqu'un que vous aviez gardé en espoir, qui reviendrait. Quelqu'un qui a peut-être changé.
Quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, eh ben, dites donc. Qui veut s'engager avec vous, eh ben, dites donc, c'est plutôt pas mal, hein. Et qui prend le pouvoir, qui prend les initiatives, et vous, vous avez vous freiné de toute votre force parce que vous dites, mais attends, 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 ça va trop vite. Vous avez raison, le but du jeu, c'est quand même de prendre son temps, donc soyez attentifs, faites bien attention à vous, ne bousculez pas les choses, si la personne les bouscule, c'est qu'il y a quand même l'anguille sous roche. Prenez votre temps dans cette histoire, et si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, eh bien, arrêtez net, puisqu'effectivement, on sentirait que vous n'auriez... Il y a quelque chose qui vous gêne, suivez votre intuition. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, arrêtez tout de suite. Vraiment, faites bien attention à vous. On continue pour vous les Vierges, ascendant Vierge, planète en Vierge pour ce mois d'octobre 2021. Alors, attention à tout ce qui est forme addiction affective par rapport à une lésion secrète, peut-être à une triangulaire. Vous aurez des décisions et des décisions à prendre parce que peut-être que vous attendez quelque chose depuis un petit moment, mais comme cette personne vous fait tourner en bourrique, bah, on vous fait comprendre que tous les projets qu'il met en œuvre, eh bien, vous pensez que c'est de l'amour, mais c'en est pas. Ça peut aussi vouloir dire que vous risqueriez, enfin que vous allez peut-être rencontrer un peu plus loin une personne vraie avec un amour véritable avec lequel vous pourriez effectivement construire quelque chose. Dans tous les cas, votre ange gardien va vous aider dans ce sens-là. On a bien cette triangulaire. J'ai toujours peur qu'on vous fasse effectivement miroiter, je dirais, des choses. Là, on a les deux possibilités. Soit, comme je le disais, peut-être une rencontre qui sera une bonne rencontre. Mais là, on est dans une dépendance affective, peut-être dans une sorte de triangulaire. On vous fait patienter depuis un petit moment. En fait, la personne vous fait croire peut-être que c'est un amour véritable, qu'elle est peut-être prête à avoir un enfant avec vous. Enfin, plein de choses et on vous demande d'ouvrir les yeux sur peut-être sur cette illusion. Moi, c'est comme ça que je dirais, donc faites bien attention à vous. Et on va terminer ce domaine sentimental par un dernier jeu pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme dernière information pour ce mois d'octobre 2021. Quelques souffrances, hein, par rapport à une relation, qui est assez compliquée, hein, c'est comme ça que je le dirais. Des schémas répétitifs, hein, comme si vous deviez passer des épreuves. Un amour qui n'est pas sain en tous les cas. Peut-être un amour qui effectivement demande pour vous de faire des sacrifices. Pourtant, il y a une attraction, il y a beaucoup de choses qui vous amènent, mais il y a aussi beaucoup de trahisons et de mensonges que vous découvrirez durant cet automne. Dispute, effectivement, puisque vous allez voir les vraies choses. Là, vous allez vous mettre en doute et là, vous allez vous remettre en question et c'est là où vous allez prendre la décision peut-être de mettre fin à une situation qui devient beaucoup plus toxique pour vous. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de relation toxique, hein. Alors, voilà, mais vraiment, c'est ça que je ressens pour certains et certaines d'entre vous. Donc, faites bien attention à vous. Peut-être que cette personne n'est vraiment pas dans le vrai. Mais comme toujours, hein, c'est vous qui décidez, hein, on ne prend pas les décisions à votre place. Donc faites attention à vous. Je termine cette vidéo par trois cartes conseils. Montez vos vibrations, faites attention à vous, hein, c'est vraiment ça. Attention à l'amour love love, faites bien attention. Et attention parce que vous avez un chemin à comprendre et je pense que là, c'est vraiment de vous écouter vous et de vous aimer vous en premier. C'est ça aussi cette vibration parce que à être trop gentil, ami vierge, vous vous faites avoir. Bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.